bien en transition. Vous savez que le 7 là, il explose chaque fois qu'un gardien peut capter. Système D, quand tu oublies tes protèges, bah, atelier travaux pratiques, tu te débrouilles comme tu veux. Allez, on s'approche autour de Jamel. Il fallait une victoire quoi qu'il arrive. Pour terminer notre livre, mais pas que ça aussi. Pour préparer l'avenir. Dire que ce groupe, il y a quelque chose. C'est pas du flan. Ce qu'on a fait par le passé, on balaye pas sur un match, sur une qualif. D'accord? Et ça passera par aujourd'hui. Le mot qu'on avait dit le premier jour, premier entraînement, responsabilité. Responsabilité, tous ici aujourd'hui. Tous. D'accord? Ce mot-là, il est dans toutes les têtes. Ce mot-là, il est dans toutes les têtes. D'accord? Il doit résonner. Résonner dans les têtes et dans les cœurs. Ok? Allez, 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 allez. On a dit partir sur bien défendre, ils nous mettent en péno les gars, et le reste on a chaque fois le pied entre, parce que c'est d'abord en état d'esprit on l'a dit, et s'il faut se coucher on se couche, et s'il faut dégager on dégage, c'est la base ça les gars, hein, c'est la base, ça on faut le garder, hein, quoi qu'il arrive les gars, c'est bien, c'est la base, vas-y Jamel. Les gars on s'est dit une chose, d'accord, peu importe la manière, on s'est dit ou on s'est pas dit, peu importe la manière, le plus important c'est le résultat final, d'accord. Il y a des moments où il faut péter le ballon. On pète le ballon, les gars. Il n'y a pas de risque à prendre. Juste deux choses. Juste deux choses. À chaque fois qu'on est sorti avec pivot, on les a fait reculer. À chaque fois qu'on est sorti avec pivot, on les a fait reculer. Juste quand on s'installe, et c'est ce qu'il faut, essayer de s'installer une fois qu'on s'installe. Dès qu'on donne côté, dès qu'on trouve côté, ici, pivot, là, ça suit tout le temps. Ça suit tout le temps. Samir, Absa, de côté, d'un côté comme de l'autre. Venez vous intercaler. Il y a toujours de l'espace parce qu'ils sont en individuel. Toujours de l'espace pour trouver pivot en diagonale. On trouve tout le temps pivot diagonal, tout le temps on peut le trouver. Grosse victoire, franchement une belle équipe d'Arménie. On a montré la vraie copie de l'équipe de France. Solidaire, exemplaire. On se devait de gagner. Avec la manière aussi. Et respect. On a beaucoup donné. Et voilà. On reste sur. Fini sur cette victoire. Comme des soldats. On n'a rien lâché, hein. De toute façon, voilà, toutes nos forces, on les a mises sur le terrain durant les qualifications. La réussite, elle nous a parfois fui, aujourd'hui, elle nous a souri. Mais en tout cas, l'équipe de France de futsal n'a jamais rien lâché. Et puis, elle a montré son vrai visage du début jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on finalise les qualifiés avec une belle victoire qui montre que le potentiel est encore présent et que l'avenir sera plus souriant, on l'espère pour tout le monde. Un mot qui est important à dire aujourd'hui. Merci. Merci parce que vous avez réagi en tant qu'homme. Et on a réagi en tant qu'équipe surtout. D'accord? On a respecté nos engagements à la fin. On s'est remis en question. Tous. On a pris nos responsabilités. Aujourd'hui, on a senti que ce groupe
quelque chose, tu vois. Fallait peut-être aller le chercher. Il fallait peut-être une claque, une gifle, poser un genou par terre. Il fallait peut-être ça pour se parler, pour se dire les choses. D'accord ? Crever des abcès. Hein ? On s'est regardé dans les yeux, tous. On s'est parlé. Aujourd'hui, on a réagi. Du haut des parrains. Et comme des hommes à la fin. Jusqu'au bout. L'envie, maniaque. Ça prouve que on a peut-être fermé un livre aujourd'hui. Mais surtout une chose. On a lancé un message pour le futur. Avec ce groupe. On peut aller encore très très loin. Avec ce groupe, on peut faire encore de grandes choses. Ça marche les gars. Merci à vous. Merci à tous. Merci coach. Bravo les gars. Bravo les gars. Bravo. Bien.